Le 26 octobre est la journée des métiers de l'organisation. Les personnes nées le 26 octobre ont un talent particulier pour réformer, réorganiser et diriger toutes sortes d'institutions. Pour eux, peu importe qu'il s'agisse d'organisations, de clubs, d'équipes, de groupes religieux, de cercles d'affaires ou de grandes unités politiques. Habituellement, les autochtones occuperont des postes de direction ou seront au moins à titre consultatif. Ils ont un talent particulier pour rester ensemble et diriger une petite unité d'affaires. Ils sont tout à fait capables et n'ont pas peur d'entreprendre des actions individuelles. Cependant, ils brilleront simplement lorsqu'ils participent à des projets conjoints avec leurs collègues et associés. Dans la plupart des cas, le natif laissera sa marque dans une telle activité, mais n'oubliera pas de mettre le bien du groupe avant tout. Cependant, ils n'aiment pas particulièrement donner et sacrifier leurs propres désirs et idéaux. Pour cette raison, ils peuvent rechercher des situations où, en plus du bien-être du groupe, ils obtiendront également un succès personnel. Les gens nés le 26 octobre savent ce qu'est le pouvoir et comment il fonctionne dans la société. Ils sont bons dans tout ce qui concerne l'argent. Souvent, ils cherchent à améliorer leur situation financière par une relation symbiotique avec l'organisation à laquelle ils appartiennent. S'ils font partie du comité directeur, ils feront des investissements intelligents et mettront en œuvre des stratégies économiques efficaces. Ils agiront rarement de manière à mettre en danger les projets à long terme de leur groupe. S'ils font confiance à la cause, ils n'hésiteront pas à faire des sacrifices pour elle. S'il le faut, ils iront très loin pour atteindre leur but. Ceux qui sont nés le 26 octobre sont des personnes fortes. Grâce à cela, ils impressionneront tout le monde autour d'eux. Parfois, ils ont un comportement imprudent et même stupide, mais généralement leurs émotions et actions sont bien contrôlées et dirigées. Certains de ceux qui sont nés en ce jour pourraient élever la maîtrise de soi au plus haut rang. Il est possible qu'ils deviennent dépourvus de compréhension. Ils peuvent même être rudes et insensibles lorsqu'ils sont confrontés à toute manifestation de faiblesse et de sensibilité venant des autres. En fait, il est beaucoup mieux que leur père ait exactement l'attitude contraire. S'ils montrent une façade invulnérable, les indigènes attireront l'attention et conduiront à abandonner progressivement l'attitude détachée. L'expérience devrait être celle qui enseigne à ceux qui sont nés le 26 octobre que le vrai respect est mérité. Ils ne peuvent pas l'obtenir facilement. Malheureusement, parfois le sentiment de peur peut être très frustrant. Les personnes moins évoluées nées en ce jour n'admettront en aucune façon que la peur qu'elles inspirent ne sera pas équivalente au respect. Les indigènes du 26 octobre aiment faire des plans, mais aussi les respecter. S'ils occupent une position d'autorité, ils n'hésiteront certainement pas à réorganiser leur unité d'un bout à l'autre. Ils le font même s'ils suscitent l'opposition de beaucoup. Parce qu'ils sont pragmatiques, ils sont capables d'utiliser des méthodes très efficaces. Ils ne seront peut-être pas en mesure d'illustrer les gains en termes humains. Les enfants dont les parents sont nés aujourd'hui savent à quoi s'attendre d'eux. D'autre part, les enfants nés ce jour-là devront être conduits par leurs parents. Enfin, ils peuvent ressentir de l'insécurité et de l'incertitude dans la direction qu'ils recevront. La reddition de compte est une question très importante pour ceux qui sont nés le 26 octobre. En général, ils adhèrent fermement aux principes établis. En tout cas, ils doivent faire attention à ne pas succomber aux bénéfices provenant du pouvoir. Ainsi, ils peuvent perdre le contact avec leur centre moral. On sait que vous êtes gouverné par le 26, si vous êtes né le 26 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des auteurs, ainsi que des artistes nés le 26 octobre. Hillary Clinton, Bob Hoskins, Mahalia Jackson, François Mitterrand, Domenico Scarlatti, etc. Votre planète dirigeante est Saturne. Vous devez vous protéger contre les obstacles, les accidents, la malchance et les tendances criminelles. Saturne est le dieu de la justice. Il est toujours montré avec un équilibre dans une main et un couteau dans l'autre. Saturne pèse votre passé et vous punit selon vos actes. Si Saturne est votre planète dirigeante, n'oubliez jamais le terme « ce que vous semez », ainsi vous récolterez. Si vous étonnez le 26, votre nombre de jours est de 8. Vous pouvez souffrir au début de votre vie, mais cela va changer. Vous devez prendre des précautions supplémentaires contre les mésaventures et les accidents dans votre vie. Vous pouvez faire face à beaucoup d'obstacles de l'enfance. Vous devez suivre le chemin du travail acharné afin d'obtenir le succès. Vous devez faire preuve de courage pour relever le défi des échecs, des déceptions et des accidents. Vous devez vous prémunir contre les risques. Ne prenez pas plus de responsabilités que vous ne pouvez en assumer, car cela peut augmenter vos chances d'échec. Vous pouvez chercher une carrière réussie dans le domaine du droit et de la justice. Vous pouvez également réussir dans une carrière liée aux organismes d'application de la loi. Vous montrez le pouvoir de comprendre les Écritures. Vous êtes normalement compatissant,
aimable et miséricordieux. Vous êtes toujours prêt à aider et à sacrifier pour les pauvres et les nécessiteux. Vous croyez fermement en Dieu, aimez la vie ascétique, et aimez servir les pauvres et les malades. Vous êtes un très bon prédicateur religieux. Quand on est blessé par quelqu'un, on peut se venger dans n'importe quelle mesure, on peut même avoir recours à la tricherie, au chantage, à la fraude ou même au meurtre. Mais attention, essayez de contrôler ce comportement, ou vous pouvez ruiner votre vie. Vous devez être très prudent lorsque vous atteignez les âges suivants, 17, 26, 35 et 44. Vos numéros chanceux sont 1, 4 et 9. Vos jours de chance sont 1er, 10e, 19e et 28e. Vous devez commencer des actions importantes, des affaires, ou des affaires majeures sur ces jours pour assurer une meilleure chance. Pour ce qui est de votre numérologie, vos jours de malchance sont les 8e, 17e et 26e de chaque mois, car ils causeront des pertes, des maux, des souffrances, des accidents et même des maladies. Les gemmes chanceuses sont le saphir bleu, et la gemme chanceuse la plus puissante est le saphir étoile. Une autre gemme favorable est la pierre bleue aquamarine.